Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je voulais te montrer, on va dire pas en direct, mais en vidéo, le avant et le après avec et sans les éclairages. Je sais pas si tu as vu ma vidéo donc de mardi dernier, donc je la mets dans le petit i, où je te montre mon petit unboxing de mon kit d'éclairage que j'ai acheté sur le site de Amazon. Donc le lien, si tu veux, est en barre d'infos, n'hésite pas à aller checker. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer la différence de lumière. Donc là, j'ai que la lumière artificielle donc de la pièce dans laquelle je suis. Il n'y a rien d'autre. Il y a accessoirement la lumière du jour de la chambre de ma louloute. Autrement dit, je suis orange. Voilà, donc comme dans une de mes dernières vidéos, donc le cadeau de Noël de ma fille, petit i encore. Et donc voilà, donc là je vais allumer une première lumière. On va déjà voir ce que ça donne. Ensuite, j'allumerai les deux lumières avec la lumière du couloir toujours. Et ensuite, je vais éteindre toutes les lumières, donc couloir plus les parapluies. Et je ferai ensuite uniquement les parapluies. Comme ça, vous allez vraiment voir les différences de lumière. Donc j'allume un premier parapluie. Voilà. Sachant qu'il est légèrement à ma droite, donc à la gauche pour vous. Il n'est pas en face de moi. Et là, je vais allumer le deuxième parapluie. Voilà. Donc là, je vois pas trop ce que ça donne en caméra, mais je pense que... c'est quoi ce cheveu là? Mais je pense que ça peut être mieux. Voilà. Donc, au niveau de la luminosité, je pense que c'est bien. Maintenant, je vais les éteindre. Je vais éteindre la lumière du couloir et on va faire que le parapluie, que les lumières parapluies. Donc, à la limite, une seule, ce serait suffisante. Moi, de ce que je vois. Donc, j'éteins. Voilà, donc là, je suis orange. Youhou! On éteint la lumière comme ça. Voilà, là j'ai aucune lumière, j'ai uniquement la lumière donc des chambres qui se situe à ma droite et à ma gauche. Et donc là je vais allumer les deux parapluies. C'est parti pour un premier parapluie. Tadam! Et la lumière fut. Et le deuxième parapluie. Tadam! Sachant qu'ils sont quand même assez proches de moi, je peux les allumer avec mes mains donc. Ils sont relativement proches. Forcément, après, faut voir avec la position du parapluie et les avancer ou le reculer pour avoir la luminosité qui nous convient le mieux. Mais voilà, là, j'ai que la lumière des parapluies, j'ai aucune autre lumière. Et bah voilà quoi. J'ai envie de vous dire, ça se passe de commentaires. Et il m'énerve cette mèche de cheveux. Elle m'énerve cette mèche de cheveux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc voilà ce que ça donne avec uniquement les lumières des parapluies. Donc c'est quand même beaucoup mieux, je pense. Après, moi, c'est vrai que voilà, j'ai les ampoules dans les yeux. D'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai deux trucs dans les yeux. Pourquoi je n'ai pas pris de ring light? Déjà parce que le budget n'est pas le même. Voilà. Sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui recommandent des ring lights. Effectivement, les ring lights, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. D'un point de vue esthétique, une ring light, c'est en fait un cercle de lumière qui se met derrière du coup la caméra, mais c'est quand même beaucoup plus cher. C'est à peu près minimum 50 euros. Je dis bien en général, ça peut aller jusqu'à plus de 100, 200, 300 euros de ce que j'ai vu sur internet. Après, il y a aussi des softbox, mais moi j'étais partie sur des parapluies et honnêtement, je ne regrette absolument pas. Pour le moment, il n'y a pas photo. C'est quand même beaucoup mieux avec les éclairages. Parce que les vidéos, sinon, je suis très restreinte au niveau du temps et ça commençait vraiment à me gonfler. Donc, pour celles qui n'ont pas vu ma première vidéo, donc je les ai achetées pour 41,99€, donc livraison gratuite. J'ai eu ça sous 6 jours. Donc voilà, je ne sais pas d'où c'est parti, mais c'est parti de loin. C'est de la marque Vidax, d'où donc ma première vidéo dont je vous avais tout expliqué. Et dans ce kit-là, j'ai
donc de parapluie, les trépieds, tout ce qu'il faut, les ampoules sont reprises dedans. Et j'ai également donc un sac de voyage que je vous ai montré dans la vidéo unboxing, donc que j'ai affiché tout à l'heure dans le petit. Voilà. Donc j'espère que la vidéo aura pu éclairer, c'est le cas de dire, pour celles qui veulent s'acheter des éclairages, celles qui hésitent encore entre les parapluies et les sweaters, parce que c'est vraiment pas évident du tout quand on s'y connaît pas beaucoup. Moi j'ai mis un an à me décider, à les acheter. Mais voilà, je regrette pas du tout. Je sais pas si vous voyez la différence, je pense que oui, parce que dans la première vidéo, donc dans celle de mardi, on voyait bien la différence, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc abonne-toi, n'hésite pas, c'est totalement gratuit. N'hésite pas aussi à mettre des petits pouces vers le haut. J'ai envie de te dire, les pères, toi, si t'aimes pas ma vidéo, tu t'en vas. Il y a une petite flèche, il y a une petite croix. Voilà, tu fermes. Tu dislikes pas. C'est pas la peine. Par contre, les petits pouces vers le haut, c'est important. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche qui est à côté de abonner, comme ça tu recevras toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc tout est en barre d'infos, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.